Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme qui côté ou à nous fournir. J'ai encore une fois entré la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission, aujourd'hui, qui c'est mardi 29 octobre 2024. D'entre Dieu, n'a pas souhaité au passé. Un bon mardi, en notre compagnie, n'a pas demandé à commencer à faire ce que vous toujours aimé faire, qui était au like dans la vidéo ça, commenter, partager et des vidéos ça avec plus passer 1000 likes, qui était une plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous capable de faire ça, ça peut aider Chanel là, continuer piquer pour pied devant. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, aujourd'hui là nous portons une émission un peu spéciale pour vous, puisque nous allons présenter un rapport que groupe expert sur le pays d'Haïti présenté. Groupe expert ça qui est formé à partir de résolution 2700-2023. C'est l'année dernière que vous avez mis groupe expert ça sous pied pour être capable de faire toute investigation possible et puis recommander des sanctions contre des personnalités, des chefs de gang, des politiciens, des entrepreneurs dans le pays d'Haïti. Un groupe d'experts là, yo présenté rapport final yo là et là nous allons présenter une partie dans rapport ça qui détaillait qui Jean Gagnon, mesdames et messieurs, évoluait dans le pays dans une période bien déterminée depuis sorti novembre 2023 arrivé jusqu'à septembre 2024 puisque rapport ça, mesdames et messieurs, l'Iran public, jour qui était 30 septembre 2024. Eh bien, mesdames et messieurs, surtout au même qui c'est un fanatique, Guy Philippe, qui croit dans la révolution que Guy Philippe a prônée, qui croit que Guy Philippe, mesdames et messieurs, c'est lui qui vous prend tête pays pour nous capables de craser le système. Non? Eh bien, dans le rapport ça de Experio, mesdames et messieurs, il y a une tentative qui fait pour neutraliser Guy Philippe politiquement sur scène politique haïtienne. Il y a une grosse révélation, une grosse accusation qui fait sur Guy Philippe avec sur Youri La Tortue côté que retourné frapper monsieur. Des accusations qui plus graves toujours, cette fois-ci qui fait sous Youri La Tortue. Et pas étonné, mesdames et messieurs, dans le prochain jour, yo, que yo inclut Yonek Tankou Guy Philippe dans liste Moun Conseil Sécurité Nations Unies sanctionné. C'est pas nous-mêmes qui parlons, c'est pas opinion par nous, c'est selon rapport ça que nous allons présenter ou là, rete branché, puis devant. Ou va louer toute accusation, toute révélation. Nous pas connaît est-ce que vous vrai, est-ce que vous fausse. Expert Nations Unies fait sous Guy Philippe. Galit Chesbawa, c'est un rapport qui chargé go révélation. En pile bagaille que vous pas connaît de gang yo. Ou va le découvrir là, mesdames et messieurs. Et nous estimons que c'est Unique Channel qui va le présenter ou émission ça sous rapport ça. Qui va l'apprendre en pile bagaille de gang yo dans le pays d'Haïti. Mais juste avant, nous entrer dans le rapport là, amis internautes. Pendant vous cherchez yon petit chaise bas pour chita pour t'aider bien qui ça qui dit, la mode aussi ou pote quoi abonner avec Chanel ça, profitez fait ça kounya la même, cliquez sur s'abonner puis activez petit cloche notification pour toujours être connecté avec nous et recevoir yon notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Sans plus tarder, n'a pas directement dans le développement information, hein? Nous parti. Faut nous dire, mesdames et messieurs, c'est un rapport qui est vraiment long, il y a environ 148 pages là-dedans, mais là, nous choisi partie qui ont parlé de Gagno pour nous présenter. Eh bien, selon rapport, ça, Gagno continue à faire tout possible là pour craser transition politique là dans le pays d'Haïti, notamment lorsque ils ont attaqué sans relâche équipement la police nationale d'Haïti, dans le département l'Ouest avec dans le département la Tibonite, côté que ils ont empêché rétablissement autorité l'État et puis sécurité, conditions et essentiel pour capable gagner élection démocratique ouvertement et puis violemment déclarer opposition à conseil présidentiel de transition et puis à force multinationale d'appui à la sécurité. Eh bien le gang yo t'attendait que mission multinationale libérale a déployé, yo t'ai entamé une campagne active côté que yo t'a recruté en pile monde. Yo acheté en pile zam, yo acheté en pile munitions et yo fait coûte que coûte pour yo récupérer de nouveaux territoires pour yo capable assurer davantage de l'argent côté que yo va mettre poste de péage et puis yo capable créer zone pour yo chaper pour lui aussi toutefois yo t'a attaqué. Et bien amis internautes, déploiement mission multinationale là qui t'est commencé jour qui t'est 25 juin qui s'est passé là côté que il y a 200 policiers kenyans qui t'est débarqué sur sol pays d'Haïti. Et bien yo t'est accueilli policiers ça positivement, mais
attribution avec objectif yo te rete flou pour pi fort membre population en pile mon en tap espéré que policier kenyan yo t'a pral déployer en dehors de Port-au-Prince dans la Tibonite pour capable récupérer territoire qui contrôlé par gang yo. Et bien dans moment que yo t'a rédigé rapport ça moun yo te posé question sur place dans pays d'Haïti yo te très inquiété du fait par lequel après plusieurs mois mission multinationale là poko pote résultat arrivé mission il était coïncidé avec formation gouvernement de transition et c'était un signe de un possible retour exercice pouvoir une réponse plus stratégique qui plus bien coordonnée face avec violence dans pays. Et bien chef gang yo te réagi bon côté pa yo côté que yo te fait plusieurs démonstrations de force et ont commencé avec une stratégie qui c'est appel à dialogue dans espoir pour joindre amnistie. Et bien mon qui te parlé avec un groupe d'experts yo te exprimer préoccupation que yo gagné côté que yo exposé avec un pile obstacle dans lutte contre phénomène gang yo. Yo te fait connaître avec expert yo que négociation avec groupe criminel violent sa yo principalement qui motivé par des objectifs pécuniaires li extrêmement délicat et extrêmement risqué li capable paraître ta kou yon signe de reconnaissance de yon politique qui fait promotion impunité. Et on te continue puis on te dit expério alors moun que expério te parlé avec yo moun qui nan pouvoir moun qui souterrain dans pays d'Haïti yo fait connait que yon stratégie qui uniquement axée sur sécurité li tap tout entravé relèvement pays d'Haïti gagné également système judiciaire là système pénitentiaire là qui ont même pas gain capacité pour absorber arrestation massive de membres de gang yo et que programme de désarmement et de démantèlement réinsertion et puis réduction de violence de proximité li toujours dans un stade embryonnaire. Et bien là pour entrer dans maman causea pour entrer dans quel problème là et bien selon rapport ça yo fait connait que au cours de période que yo fait étude là dynamique gang yo évolué de façon notable ça veut dire sorti novembre année dernière pour arriver septembre année ça te gen deux coalitions gang rivales dans pays d'Haïti une te relé G9 l'autre la te relé GPEP et bien yo vin activer un gros tonton alliance yon bagay inédit yon bagay ki pa jam fait dans aucun pays sous la tête côté pour tout gang dans un pays a fait alliance yon alliance ki te bay pour te non vivre ensemble et 29 février 2024 alliance a été faite puis ont fait un front commun pour te jeter gouvernement Ariel Henry. Et bien depuis fin mois de février capitale pays d'Haïti te connaît un niveau de violence sans précédent gang yo qui t'a mené des attaques coordonnées contre un pile bâtiment gouvernemental un pile infrastructure critique département l'ouest avec département la Tibonite continuer en bas griffe bandio côté que gagne un niveau alarmant de violence dans deux départements sa yo dans département l'ouest gang yo ciblé plusieurs communes ta cour cité soleil Delma Tabar Port-au-Prince Croix-des-Bouquets yo étant zèl yo tout yo étant contrôle yo sur des zones périphériques de capitale là notamment des communes ta cour Carrefour Grissier Léogane l'autre côté tout par exemple Gantier Cabaret Arcayen c'est tout côté que gang yo a étant zèl yo bien déjà étant zèl yo là et tout territoire sa yo tout côté ça yo t'est arrivé près et puis consolidé avant même mission multinationale d'appui à la sécurité a été commencé entrer en action. Et bien selon Experio gang yo t'est posé action coordonnée ça yo puis au prendre plus territoire c'est un moyen puis t'est capable de faire plus l'argent selon yon estimation que yo fait comprendre que environ 85% de zones métropolitaines à Port-au-Prince actuellement en bas contrôle gang armé, mesdames et messieurs. 85% de Port-au-Prince en bas main vivant ensemble. Et bien tout partout dans la capitale pays d'Haïti, la vie habitant yo bouleversé par violence gang yo qui ont même entravé fonctionnement tout secteur vital yo, tankou sécurité, éducation, santé, culture. Et puis transport dans le département la Tibonite à cause de yon augmentation de nombre de enlèvements, de viols, détournements, camions, assassinats.
Eh bien, gen an pil voix kap leve yon nouvel fois pou mande ke mission yo même yo kapab déployer urgentement nan région sa. Nan contexte sa, mesdames et messieurs, plusieurs groupes autodéfense arrivé formé, groupe autodéfense yo même ki pas hésiter bay ti bois calé de temps en temps, y compris gen des ti moun ki prend bois calé. Mesdames et messieurs, n'ap continue avec rapport sa ki vraiment intéressant ki font radiographie de évolution gang dans le pays d'Haïti sous période ça, eh bien, yo continue pour dire que 5 taureaux qui visaient par sanction dans les Nations Unies, yo toujours été dans tête principale gang yo dans le pays d'Haïti. Parmi yo, gang 5 secondes qui dirigé par Johnson André alias Iso, gang Grand Ravine qui dirigé par Ruenel Destina alias Tilapli, eh bien, 2 taureaux ça yo, 2 gang ça yo, c'est actuellement 2 pigou gang dans la capitale là, selon rapport ça. Le ap considéré quantité territoire yo contrôlé, le ap considéré quantité soldats que yo gagné, puissance que yo gagné, zam et puis quantité l'argent que yo fait. Yo continue pour dire même si yon nèg takou Jimmy Cherizier alias Barbecue, c'est chef gang que yo pi konnè et c'est nèg qui parlait plus. C'est lui-même qui porte parole vive ensemble. Mais cependant, c'est pas lui-même qui est plus puissant. Expert, il fait connaître que Barbecue perdu en pile plume, il perdu en pile influence sous coalition G9 là, parce que gang nian dans Delma 6 t'es affaibli par plusieurs opérations. La police t'es qu'on mené plusieurs opérations qui en cours actuellement selon eux-mêmes. Alors, époque, yo t'a écrit rapport ça. Nous songez que la police effectivement t'a opéré dans bas Delma, eh bien, Barbecue, selon Experio, monsieur perdu en pile force, il perdu en pile revenu. Je veux qu'on ait que faut nous noter que vivre ensemble piller la plupart de commerces qui trouvaient dans bas Delma et commerce ça yo business ça yo que nèg vivre ensemble yo te piller yo te qu'on habitué payer Barbecue yon ti l'argent régulièrement pour être capable de fonctionner en toute sécurité. Yon l'autre part gagné gang crasé barrière qui lui même tout vienne passer au second plan. Gang crasé barrière selon Experio qui vienne affaiblir tout par divers affrontements qui étaient opposés yo avec une branche dans gang ça veut dire t'a pas gommé entre yo notamment yon embranchement dans gang crasé barrière qui était dans tête li un certain Didi qui était joint dans l'Amoli dans mois de mai qui s'est passé là et ben tout ça il était opposé avec vite l'homme innocent. Gang crasé barrière était arrivé affaibli tout par plusieurs opérations la police était arrivé mené dans fief yo c'est un gang qui était recevoir soutien gang 5 secondes et puis gang Canaran. Et bien gang Canaran lui-même a noté que lui-même est dirigé par un certain de Jeff Larose alias Jeff Gaulois. C'est un gang qui vient gagner une grosse importance en raison de proximité avec 5 secondes et du fait que zone côté contrôlé à eux-mêmes, c'est pas un côté que la police ko jam attaqué. Bon côté pa yo, mesdames et messieurs, gagner gang 400 Marozo. Donc on est qui dirigé par Joseph Wilson alias Lamor Sanjou. C'est un gang tout qui prend force dans dernier jou sa yo selon rapport là. Mesdames et messieurs, c'est un gang qui vient gagner plus d'âmes, qui vient gagner plus l'argent, notamment dans l'argent qui a ramassé dans main chauffeur camion marchandises qui a destination ou bien qui a sorti en République Dominicaine. Rapport a continué pour lui dire que principal quartier administratif, financier puis commercial capitale là, centre-ville Port-au-Prince, li toujours dans mi-temps ambition expansionniste de gang yo. Depuis fin mois février 2024, centre-ville Port-au-Prince est venu un champ de bataille. Eh bien, gang yo, mesdames et messieurs, qui ont même été récemment établi plusieurs points de contrôle stratégiques à partir de points sa yo, même gang yo tape régulièrement surveiller et puis déstabiliser opération que la police t'a entrepris, notamment côté que yo te konn mette des tireurs embusqués qui installés sous tête quelques bâtiments. Eh bien, amis internautes, il y a des membres de gang 5 secondes, des membres de gang Grand Ravine qui t'ont ouvert coup de balle, par exemple, lorsqu'ils ont appris que le premier ministre Gary Conny a visité local l'hôpital général, nous songez événement ça. Eh bien, Gary Conny t'a dit, PM, ça mange pas, il était obligé d'aller dans une zone blanche. Au cours de période que vous considérez, on a rappelé au sorti novembre année passée pour arriver septembre année ça, eh bien, gang 5 secondes avec gang Grand Ravine, qui ont même en 2022,
te geta commencé occuper entre sud capitale là, eh bien yo étend vers de manière agressive sur plusieurs autres quartiers qui entouré palais national nord avec centre-ville là bas côté pa yo yo en bas contrôle gang crash édifé gento yo l'autre gang qui relé les argentins et puis gang la saline c'est eux même qui contrôlaient zone ça depuis en 2021 secteur ça qui est même stratégique parce que yo ramassé l'argent dans extorsion détournement camion et puis voler marchandises et puis fait kidnapping aspiration politique que vivent ensemble ta gagné mesdames et messieurs devine mettez en évidence parce que yo te bail une nèg takou Guy Philippe yon ti coute épaule yo te montré que yo favorable avec position anti gouvernementale Guy Philippe yo le nous connaît que mesdames et messieurs prise de palais national l'étape yon cours symbolique qui t'a porté avec l'étape vivre ensemble qui t'est lancé environ 10 attaques d'envergure contre palais national depuis commencement mois de mars 2024 et bien 10 attaques ça que vivre ensemble t'est fait sous palais national selon rapport ça c'est Dimitri Erreur qui t'a coordonné yo n'a rappelé que Dimitri Erreur qui c'est ancien chef IRGPN chef sécurité palais national après que il était fin sauvé dans prison côté que il était trouvé li pour implication li dans assassinat ancien président Jovenel Moïse et il était arrivé sauvé avec plus passé 4600 autres prisonniers dans mois de mars qui sont passé là et bien Dimitri Erreur c'est lui-même en dans village de Dieu mesdames et messieurs qui t'a bail des indications avec gang yo côté que li pat hésité mandé pour touyer tout agent policier que t'a rencontré sur route yo vers palais national bien Dimitri Erreur te bail l'ordre pour pas gain pitié pour policier c'est touyer bandi touyer yo et bien mesdames et messieurs groupe d'espère là fait connait que Dimitri Erreur t'a gagné certains liens tout avec Guy Philippe dans activité ça que t'a entreprendre pour yo prendre palais national et on fait connait que Guy Philippe t'a même essayé corrompre des policiers puis capable pas imposer des résistances avec gang yo puis capable prendre palais national donc ces rapports là qu'a parlé donc capable remarquer là que yo épinglé Guy Philippe dans action qui t'a fait dans capitale là à l'époque pour être capable notamment prendre palais national et on continue pour dire pour capable déstabiliser transition politique là vivre ensemble t'a fait plusieurs attaques contre notamment ministère de la justice, ministère de défense, ministère intérieur, ancien bâtiment cour supérieure des comptes, l'hôpital général ainsi que plusieurs unités de police parmi les unités départementales maintien d'ordre et puis commissariat de Port-au-Prince dans quartier voisin gang les argentins bon côté pa yo yo gang qui connaît tout sous nom gang Belé avec nan tête li Kempes Sanon t'a essayé à plusieurs reprises prend contrôle brigade d'opération d'intervention départementale stratégique qui est situé dans quartier fort national ça qui t'a permis de contrôler un gros parti dans centre-ville Port-au-Prince dans un quartier voisin qui relait Solino depuis février 2024 barbecue qui est même associé li avec ancien rival li qui vini allier li kounya Kempes Sanon puis capable intensifier attaque yo qui doit deux tours ça yo fait alliance puis ka persécuter mon Solino objectif là c'est accéder avec route stratégique qui relie territoire paroa avec quelques autres secteurs pour capable diversifier ressources, continuer voler camion, casser commune pour bailler l'argent leur passé. Eh bien, il y a un pile affrontement qui était fait entre gangs avec des groupes de autodéfense dans Solino. Il faut connaître que par le passé, barbecue te gagne une sorte d'arrangement informel avec certains agents de police dans Solino. Cependant, attaque ça yo que vivre ça m'a fait constamment contre Solino ainsi que opération cap mené dans base barbecue ou bien qui tap mené dans base barbecue yo contribué pour ébranler relation ça qu'il te gagne avec un policier Solino yo donc en réaction jour qui était 9 juin qui s'est passé à la barbecue te revendiqué une attaque meurtrière qui te coûté la vie avec trois agents de unité tactique anti gang en absongé le barbecue te grillé trois policiers Utag Sayo qui t'a fait patrouille dans Badelma et bien gang nan li reproché agent yo dès que yo t'a entré dans zone nan pour venir bailler jarrette avec un groupe autodéfense qui gagné dans Solino n'a continuer dans rapport ça mesdames et messieurs côté que yo fait connait que gang yo a pas cherché étendre zèl yo sur quelques territoires pour capable augmenter quantité l'argent que a fait
L'argent qui sorti dans enlèvement, dans activité extorsion, dans trafic drogue, dans péage illégal sur route nationale numéro 2 qui relie capitale avec sud pays en prévision avec début opération force multinationale là, et ben gang yo tapé fait activité ça yo dans objectif pour être capable gain contrôle plusieurs communes dans département sud pays avec dans département l'ouest pays ça qui ta capable permettre yo assurer des couloirs pour échapper pour yo. Cellule gang grand vinan gagné qui a pas fonctionné dans Mariani qui était installé dans commune Carrefour dans fin année 2023, il était recevoir renfort gagné un groupe qui relait 300 zombies qui dirigé par Chalmay Dorin alias Tibébé Bougoy. Et bien ce groupe ça qui t'a la porté nèg Mariani renfort pour capable éteindre contrôle yo dans commune Gressier. Gagné l'autre péage illégal qui était metté en place et puis gagné était exercé une violence sauvage. Dans le mois de mai 2024, au moins 25 civils ont mouru entre 28 juin avec 1er juillet 2024. Et puis la police a perdu contrôle commissariat Gressier le 7 juillet 2024. Il y a quelques autres communes comme Léogane, Grand Gouave, Petit Gouave qui ont même tout menacé par incursion gangyo. Jour qui était 20 juillet 2024, groupe qui relait 103 Zambia a été publié une vidéo côté qui ont montré que ils ont atteint La Ferronne, yon localité dans commune Léogane qui tout près commune Gressier. Eh bien zone ça qui gagne un terrain qui gagne en pile en monde l'étape permet gagne mesdames et messieurs pour faire une base stratégique côté que membre gang ça yo tape dans une position côté que la police pas capable très facile et zone ça yo ta capable utiliser li pour cacher parce que c'est seul dans hélicoptère ou bien dans avion que la police capable arriver dans zone ça face à situation ça population dans commune Léogane te mette en pile barricade pour empêcher l'autre infiltration. Depuis février 2024, gang Tibois qui dirigé par Chris Roachéri alias Chris là prend contrôle commune Carrefour. Pas gain présence policier dans région encore. Dans mi-temps mois de mai 2024, attaque qui était dirigée contre deux commissariats policiers, te fait tout policier là gué pied yo. Et bien Chris là te prend officiellement contrôle commune Carrefour en raison de violence gang yo qui gagnait dans commune Carrefour dans Gressier. Au moins 233 moun te fait voile pour payer sans chapeau ou bien te blessé sorti avril pour arriver juin 2024. Et bien yo te font coup de pied dans la Tibonite pour regarder qui Jean ça y est tout parce que nous connaît c'est là qui gagne deux gangs qui baille problème gang Grand Griffe qui dirigé par Luxon Elan et puis Cocorata Sanras qui dirigé par Ferdens Tilus alias Meyer continue bon côté pa yo a simé violence dans département la Tibonite y compris dans des communes dans nord jusqu'alors qui était épargné par violence ça yo et bien y a fait ça pour étendre zelio étendre contrôle territorial yo et bien Cocorata Sanras bon côté pa li il était attaqué pour la première fois commune Terre-Neuve dans mi-temps mois de juin 2024 là côté que yoté touyé 11 moun gang ça mesdames et messieurs qui relait Cocorata Sanras là il était metté sous pied ou bien il était créé une nouvelle cellule dans Mapoulagon dans commune Lester en janvier 2024 gang ça yo vraiment gagné bonne relation avec gang qui fait partie vive ensemble qui a opéré dans Port-au-Prince notamment yo gagne bonne relation avec GP. Au cours de période ça, yo te tué plusieurs monde boulé en pile caille, était attaqué commissariat police. Par exemple, jour qui était 11 janvier 2024, gen monde yo te tué côté que yo te coupé deux pieds avec deux mains parce que il a fait partie d'un groupe autodéfense. Yo l'autre part yo a fait plusieurs kidnapping tout. Eh bien, la Tibonite selon rapport ça, c'est une côté qui enregistré plus cas de kidnapping. Jour qui était 18 février, mesdames et messieurs, gang Cocorata Sanras qui était kidnappé environ 20 passagers qui t'a voyagé dans commune Gomon yo t'a exigé $3,500 américains en échange de autobus en plus de rançon pour passagers et eh bien yo t'a souvent torturé otage ou bien yo t'a connait touyé auto si rançon pas vini et eh bien habitude gang sa yo dans balati bonito c'est piller terre paysan yo voler bête yo face à situation ça gagné groupe autodéfense qui gagnait dans la Tibonite qui continuait à exécuter bail des bois calés à tout monde qui suspecte qui t'a gagné lien avec gang sa yo malgré
En janvier 2024, il y a un mandat d'arrêt qui était lancé contre Youri La Tortue, ancien sénateur Youri La Tortue, pour meurtre, association malfaisante, contrefaçon. Eh bien, selon expert l'ONU, mesdames et messieurs, malgré mandat d'arrêt ça, Youri La Tortue continue à utiliser gang Naraboto avec gang Kokorat sans race pour les capables exercer contrôle li sous Gonaïve avec région la Tibonitlan en toute impunité. Youri La Tortue utilise société de sécurité privée que le gagnait pour le capable acheter zam et puis bail matériel à gang yo dans la Tibonite. Yo fait qu'on est tout que local avec personnel la police et puis justice dans la Tibonite yo été exposé avec gros menace gang yo dans commencement mois de février lors de manifestation anti-gouvernementale qui tape fait en soutien à Guy Philippe, il y a des membres de gang Raboto avec Kokorat sans race qui étaient pillés tribunal Villa, il y a des membres de deux gangs qui ont même été rencontrés Guy Philippe, c'est rapport qu'a parlé, il était accompagné avec des agents armés de BESAP avant manifestation ça yo qui était déroulé dans Gonaïve dans occasion ça a gagné plusieurs armes qui étaient distribuées sous prétexte que yo t'a fait recrutement pour BESAP. Un petit commentaire que n'a pas fait à ce niveau dans rapport ça mesdames et messieurs nous elle a gagné des stratégies pour neutraliser Guy Philippe pour inhabiliter Guy Philippe politiquement notamment s'il est appelé participer dans les prochaines élections parce que si groupe d'experts a fait un rapport et puis ont accusé Guy Philippe Jean Yoffel dans rapport ça là du fait que il a gagné des liens avec Vivre Ensemble du fait qu'il a distribué armes dans la Tibonite dans Gonaïve pour manifestation anti-gouvernementale ça veut dire immédiatement mesdames et messieurs dans jour qu'a venir là nous capable tendre que Nations Unies mette Guy Philippe sous liste moun qui sanctionné et automatiquement zami internaute ça capable empêcher Guy Philippe poser candidature dans les prochaines élections si ça arrivait fait si élection arrivait fait dans pays a qui donc Guy Philippe gagne en pile chance pour li pas réussi prendre tête pays a ou bien briguer un poste électif à travers les urnes ça qui t'a signifie que unique route que Guy Philippe capable rester pour atteindre objectif li c'est à réaliser tout bon vrai une révolution mais une révolution qui relève révolution tout bon vrai parce que nous là li clair que a essayé inhabiliter toi pour pas capable participer dans élection ta kou yo fait li pour plusieurs autres politiciens dans pays d'Haïti nous là yo relancé des accusations graves sur Youri La Tortue donc Youri La Tortue c'est pratiquement un cadavre politique. N'a pas continué mesdames et messieurs dans rapport là qui fait qu'on est que gagne des membres de gang qui ont même chappé pour lieu quitter Port-au-Prince et puis à l'installer dans des zones de difficile accès puis capable créer de nouvelles bases puis augmenter l'argent yo tandis que gang Grand Avenant bon côté parler l'a étendre vers commune sud dans département l'Ouest. Il y a 400 marozo bon côté parler qui a mené des attaques brutales dans commune Gantier qui situé dans est département. Et bien après que la mort sans jour te fin diffusé une vidéo côté qu'il t'a fait jolé parce que li te prend Gantier jour qui était 21 juillet qui s'est passé là après une attaque d'envergure il y a plusieurs cas qui étaient boulés parmi eux commissariat de police dans Gantier. Et bien il y a une nouvelle cellule de gang qui mettait en place jour qui était 28 juillet par l'homme sans jour qui était annoncé que fond parisien c'est prochain section communale que li comptait prend. Objectif l'homme sans jour selon rapport c'est pour le contrôler totalement toute route nationale numéro 8 là pour les capable continuer et stocker l'argent avec un chauffeur qui a circulé entre Croix des Bouquets avec Malpass donc on est qui c'est frontière avec la République dominicaine et pour faciliter les faire contrebande armes avec munitions et puis l'autre produit illégitime à travers frontière là une frontière qui particulièrement poreuse n'a noté que avec Vivre Ensemble péage illégal yo yo multiplié non seulement tout au long de route principale Palio qui relie Port-au-Prince avec l'autre région, mais tout sur route secondaire dans des rues de plusieurs quartiers dans l'agglomération. Dans le nord capital, il y a un gang en 5 secondes et puis Canaran qui ont même entouillé environ 10 moun et puis boulé plusieurs cailles dans une attaque qui a été perpétrée dans la commune Akaye. Jour qui était 6 août, objectif là, c'était élargi en prison tout au long de baie de Port-au-Prince, vraisemblablement, puis être capable de faciliter la circulation drogue et puis accès avec l'autre
Johnson a rappelé que récemment, week-end dernier, Gagnon a lancé une autre attaque contre Akaye. Eh bien, en réaction, mesdames et messieurs, selon rapport ça, population qui les même craint pour Gagnon, même yo étendent sous territoire, eh bien, ont commencé à diffuser des messages sur réseaux sociaux, des messages qui encourageaient population pour acheter manchette puis livrer à des actes de justice populaire contre membres vivant ensemble puis au tabayo bois calé. Eh bien, chef Gagnon, bon côté par yo, mesdames et messieurs, ont tenté utiliser population comme bouclier humain, notamment en prévision de éventuelles opérations qui pral fait dans Bajo. Yo organisé là côté que yo distribué l'argent pour capable assurer que moun yo y a prêté dans zone yo et yo interdit population pour quitter zone yo, yo forcé moun yo pour rester la caillou. C'est une tentative pour capable prendre moun yo comme bouclier humain, mesdames et messieurs. Eh bien, régulièrement il y a des femmes avec des timoun qui ont installé dans entrée Bajo pour capable faire antenne pour yo. Jour qui était 24 juillet qui sont passé à là. Il y a des gangs dans la commune dans Cité Soleil tels que Belleco, Boston, Brooklyn qui ont même annoncé un engagement en faveur de la paix. Ils ont démantelé toute barrière qui était séparée les zones qui ont été contrôlées respectivement. Décision ça a été prise un objectif pour te permettre membres population pas quitter zone ça yo. Eh bien, mesdames et messieurs, rapport continue pour les dire que gang yo vraiment fait un pile recrutement dans dernier moment ça yo. Ils ont estimé que journée jodi a environ 5500 membres gang dans pays d'Haïti. Principalement, gagne un pile timoun dans gang sa yo. Eh bien, yo pas recruté timoun sa yo comme par hasard, mais yo gagne un objectif qui bien déterminé. Là que yo prend timoun, yo mette sam nan men yo pral fragiliser mission multinationale d'appui à la sécurité. Et nous capable remarquer li effectivement, nous que c'est toujours des petits jeunes, des timoun qui toujours dans devant. Le gang yo a fait des attaques. Eh bien, mesdames et messieurs, yo continuez pour noter que timoun sa yo le ou fait entrer dans gang yo, yo ba yo wall tout est, yo ba yo wall pour yo veiller côté machine la police le blindé a approché zone yo. Et yo fait remarquer tout que gen des chefs de gang actuellement qui très puissants, par exemple Boudba qui commandé dans Mariani et puis petit bébé Bougoy qui commandé dans Gressier qui ont même été entré dans gang Grand Avina depuis le haut petit 4-4. Yo continue puis yo dit que évasion massive qui était faite récemment dans prison yo dans Port-au-Prince, eh bien, li permettent gang yo vinn gen de nouveaux membres tout, par exemple gagné Dimitri Erreur qui les même réfugié li dans territoire gang 5 secondes ça qui vient aider gang ça pour les organiser li mieux avec conseil Dimitri Erreur gagné membre gang 5 secondes yo qui vient des stratégies pour attaquer et Dimitri Erreur selon expérience te facilité gang yo acheter de nouveaux armes. Et puis, yo fait konnen que Dimitri Erreur joue un gros rôle tout dans trafic drogue qui a été fait en dans village de Dieu, li aide ils ont entré en contact avec grand criminel dans région. Eh bien, yo continue pour dire que malgré criminalité a, li continue à augmenter dans le pays d'Haïti, eh bien vivre ensemble à travers porte-parole li pas suspend appelé avec yon dialogue, c'est tout temps barbecue a vinn mande dialogue et unique objectif dialogue ça c'est pour capable joindre amnistie. Yo va ensemble selon Experio qui pat arrivé installer Guy Philippe dans tête transition dans palais national avec toute attaque qui a été fait sous palais national yo, c'est Experio qui a parlé. Eh bien, espoir que te gagné puis te joindre amnistie vin réduit à néant. Eh bien, c'est dans contexte ça que jour qui était 25 juin qui s'est passé à là, jour que Kenya a été arrivé dans pays d'Haïti. Eh bien, barbecue mesdames et messieurs, il était prend parole dans non vivre ensemble pour te appeler à premier ministre là pour vin chita parler, vin dialoguer avec yo. Eh bien, jour qui était 28 juin, premier ministre pas intérim nan Gary Koni, il était fait gagner connait que premièrement, faut qu'yo dépose zam, après yo capable penser si capable gayon arrangement. Malgré appel à dialogue que gang yo même yap fait, eh bien yo pas suspend activité criminelle yo. Violence là atteint des niveaux record. 28 juin, barbecue t'est affiché li entouré avec plusieurs soldats.
armée jouk nan dan, kote ke l'te déclaré pour le combat mission 1. L'te publié tout sur médias sociaux des images que yo pran à travers des drones. Activation coalition vive ensemble nan démontré yon évolution de capacité de gang yo pour capable définir et puis exécuter des stratégies en fonction de priorité yo. Rôle clé que gang yo même yo te joué nan voye Ariel Henry aller, c'est yon nan bagay qui capable illustrer ça. Eh bien, gouvernement ça, mesdames et messieurs, qui appuyé journée aujourd'hui par mission multinationale là, li gagné yon enjeu de taille. Côté que li droit reconquérir zone qui nan men gang yo, c'est pas yon ti mission piti, selon expert yo, et c'est yon étape qui nécessaire pour élection capable faite dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, il y a un pile bagaille dans rapport là toujours, mais n'a pas campé là pour vidéo ça et nous souhaiter porter l'autre partie dans rapport là qui toujours gagné en pile l'autre révélation, en pile bagaille que vous devez connaître dans l'autre émission. Pas oublier like, commenter, partager pour capable permettre yon moun ouais vidéo ça.